Oh, attendez, je voulais faire un effet de suspense, comme une espèce de surprise. C'est moi? Oui, c'est moi. Quelle belle surprise! Et j'ai aussi avec moi, ma très chère bonne chum de fille, la coupe de vin. Oui. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas dans ma chambre, je suis dans la chambre de quelqu'un d'autre. Dans la chambre de ma dite mère, oui, cette femme qui m'a accouchée sauvagement. Et je suis prête à tout. Alors, j'ai trois défis aujourd'hui. Je dois, dans les vêtements de ma mère, me créer un kit girly, parce que ma mère a beaucoup de vêtements girly, alors je n'ai comme pas le choix. Deuxième kit, un kit de tous les jours. Un kit de, oh mon Dieu, oh, tous les jours. Et troisième kit, un kit fashion. Un kit qui crie, ah, je n'ai pas peur de la mode. Rock on! On y va, c'est parti! Alors, commençons avec cette section que j'aime appeler la section du bas, car elle n'est pas haute, elle est basse. Alors, première des choses, nous avons... Wow! Pour vrai, man, t'as quand même du goût, crème! Pour vrai, ça, c'est vraiment sick. Ah, ça, c'est drôle! Ma mère, elle a le même affaire, la même affaire noire, c'est-à-dire un petit côté de jeans noir coupé, mais la seule différence, c'est qu'il y en a un avec une patch Harley Davidson et une avec pas de patch. Faudra m'expliquer, mère, pourquoi cet achat inutile. Un autre gilet, Harley Davidson, celui-là. Ah, oh, le dos est beau. Ah, oh, mais voyons donc. Et si on s'attendait à ça, un gilet Harley Davidson, toi et chose, avec des flammes dessus. Ah oh ben, un gilet Harley Davidson. Quelle surprise. Hey, il est vraiment sick. Oh my God. Merci. Je capote. Surprise, bitch. C'est quand même cool, mais c'est pas mon préféré. Je le trouve quand même très, très basic. Un gilet Harley Davidson orange. Je vous avouerai que le orange, c'est pas particulièrement ma couleur préférée. Je trouve que ça fait fucking Halloween. Puis l'Halloween, c'est pas si beau. Ce gilet-là, que j'ai acheté, en fait, que j'ai trouvé au village des valeurs pour ma mère. Ensuite, nous avons le Harley Davidson avec des perles dessus. Ça, par exemple, je ne suis pas fan. Ça ne sera pas mon préféré. Ah, il fait chaud. Je vais me dénuder. Voilà. Ma mère, elle a juste du Harley Davidson. Bonjour, je suis là. Après avoir fait le tour des trucs Harley Davidson, on doit se lancer dans les autres vêtements. À savoir que ma mère est une vraie femme, et quand je dis vraie femme, c'est une vraie femme. Elle a une catégorie de vêtements de vraies femmes, une catégorie de vêtements ultra girly, et on s'en va là-dedans, mesdames et messieurs. Êtes-vous prêts? Oui, merci, on y va. Alors, ici, nous avons des vêtements girly, 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 girly. Oh, shit! Ça va loin. Regardez ça. Tu sais quand tu penses à quelque chose qui fait très, très girly? Alors, qu'est-ce que tu penses à ça? C'est quand même un gilet rose, puis il y a quand même des longues manches de bohème, de jasmine, de petites salopes, de petites cochonnes. Fait que. Le gilet de fleurs. Ça, c'est sûr que c'est un gilet de fleurs. Parce que, comme vous pouvez le constater, c'est un gilet et il y a des fleurs dessus. Je ne suis pas fan, mais c'est pas si laid. C'est pas si laid, honnêtement. Avec un nœud à l'avant, ça peut être cute, honnêtement. J'ai dit honnêtement deux fois, fait que je suis honnête ou je suis pas honnête. Ah! Un subtil rose. J'ai jamais vu ma mère avec ça. Et je ne penserais pas essayer ça. Merci, bonsoir. Comme tu vois, ça, c'est un gilet avec de la fleur. Mais je le trouve beau. Je le trouve vraiment beau. J'aime vraiment les couleurs. Je trouve qu'il fait super vintage. Puis j'aime vraiment ça ici à l'avant. Parce que tu peux le croiser à l'arrière. Tu peux faire une petite boucle. Alors ici, c'est la catégorie de vêtements que j'ai aucune tabarnak d'idée c'est quoi, ok? Oh, par exemple, des belles petites robes. Des robes fleuries pour faire changement. Je pense que quand t'atteins 40 ans et plus, automatiquement, ton garde-robe devient un jardin. Un jardin de fleurs. Oui. C'est une petite robe noire, très basique, mais un passe-partout en fait. Puis ma mère, elle est vraiment cochonne, voyons, elle a plein de décolletés. Maman, t'en suceras pas de la bite, t'es en couple. Bonsoir, ça te sert à rien. Voyons, elle veut être une cochonne, elle a 50 ans. Et par la suite, nous avons... Plus rien, on a fait le tour. Ah! Calé, t'as ta main. Alors voici mon kit girly. Voici mon kit de tous les jours. Évidemment, pour mon look de tous les jours, je suis allée avec un look un peu plus rockeuse. Car de nature, j'aime le rock. J'ai pas trouvé de style fashion. J'avais en tête comme un look plus super glamour, mais j'en ai pas trouvé un. Fait que j'ai fait un deuxième kit que je porterai à tous les jours, mais j'ai un élément super fashion dans mon kit. Regardez.
J'ai trouvé ça dans les affaires à ma mère. What the fuck? C'est un portefeuille, en fait. Puis ça s'attache sur ta ceinture. Je peux pas croire que ma mère elle a ça. Là. C'est tellement tendance d'avoir une chaîne. Puis ensemble, je trouve ça vraiment nice, le kit. J'ai pris un gilet à ma mère Harley Davidson que j'ai fait une boucle devant. Hey yo! Je suis chaude sur un ostitan, là, pour vrai. Tu sais, c'est comme... Pour vrai, c'est pas laid, là. Genre, ma mère, elle a vraiment beaucoup de vêtements pas laids. Puis genre, même qu'elle a des vêtements beaux. Fait que si vous avez aimé la vidéo, mettez una pouce bleu sur ça. Je n'ai plus de vin. Alors, j'ai besoin de vin. Au revoir! Je suis encore là, mais ce n'est pas pour longtemps. Je voulais simplement vous montrer quelque chose que je suis capable de faire. Oh my god. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Oh my god. Je pense que tu réalises à quel point tu vieillis dans la vie quand une pirouette te rend mal à l'aise, oui. Je suis mal à l'aise de cette pirouette. Oh, je ne referai plus ça.